Alléluia, alléluia. Et maintenant, oh Seigneur Jésus, il est au milieu de nous. Aujourd'hui, il t'entend. Nous, le Seigneur. Parce que le Dieu, il est là. Élève ta voix maintenant. Dieu va te toucher maintenant. L'Esprit de Dieu va te toucher maintenant. Alléluia, Jésus. Tu es venu de donner un culte d'adoration. Alors loue le Seigneur maintenant. Le Seigneur Jésus va te toucher. Le Seigneur Jésus va te transformer ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Et aujourd'hui, και σήμερα, le Seigneur Jésus, ο Ιησούς Χριστός, il passe à Athènes. Πέρασε από την Αθήνα. Il est dans l'église. Είναι εδώ στην εκκλησία. Il va se passer quelque chose dans ta vie. Και θα κάνει κάτι στη ζωή σου. Parce qu'il est ici. Γιατί είναι ανάμεσά μας. Parce qu'il est le Dieu. Γιατί είναι ο Θεός. Et il connaît ta vie. Και ξέρει τη ζωή σου. Parce qu'il t'aime. Γιατί σε αγαπάει. Partout où Jésus allait. Εκεί που ο Ιησούς πήγαινε. Il se passait quelque chose. Κάτι γινότανε. Maintenant. Και τώρα, attends-toi. Περίμενε. Parce qu'il va se passer quelque chose dans ta vie. Γιατί θα γίνει κάτι στη ζωή σου. Moi je ne te connais pas. Εγώ δεν σε ξέρω. Mais le Seigneur Jésus te connaît. Αλλά ο Ιησούς Χριστός σε ξέρει. Il connaît ta situation. Ξέρει την κατάστασή σου. Et aujourd'hui, σήμερα, le Seigneur va te bénir. Θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Tu le crois? Το πιστεύεις? Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse καθίσετε τώρα. Croyez aujourd'hui que le Seigneur il est au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui vous parler sur le nom de Dieu. Parce que le mot Dieu ne veut rien dire. Parce que même dans ce pays-là, il y avait beaucoup de dieux. Et ces dieux-là avaient des noms. Le mot Dieu ne veut rien dire. Il y a beaucoup de dieux. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, Dieu il veut te dire son nom. Comment il s'appelle? Veux-tu aujourd'hui connaître le nom de Dieu?
γνωρίσεις το όνομα του Ιησού. Alléluia. Του Θεού. La parole de Dieu dit. Ο λόγος του Θεού λέει. Je sais plus où j'ai mis ma Bible. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit. Ο λόγος του Θεού λέει. Exode. Chapitre 3. Non, faut pas la lire, on va, je vais expliquer. La parole de Dieu dit que Moïse promenait le troupeau de son beau-père. Il promenait des moutons qui n'étaient pas lui. Πρόβατα που δεν ήταν δικά του. Et aujourd'hui, και σήμερα, j'aimerais te dire, θα ήθελα να σου πω, savez-vous ce qui est les troupeaux? Ξέρετε τι είναι τα. Les moutons. Τα πρόβατα. C'est l'église. Είναι η εκκλησία. Et Dieu a donné, και ο Θεός έδωσε, à mon frère Dimitri, τον αδερφό μου τον Δημήτρη, à mon frère Georges, τον αδερφό μου τον Γιώργο, qui puisse promener. Le troupeau de Dieu. Dieu nous a donné cela. Mais Moïse, il est là. Et il commence à paître le troupeau, à promener le troupeau. Et il voit sur la montagne. Là descendait la présence de Dieu. Vous connaissez toute cette histoire. C'était la montagne de Sinaï. Et là descendait la présence de Dieu. Et Moïse se dit, je veux aller sur cette montagne, voir là où il y a la présence de Dieu. Moïse, il était curieux. Moïse voulait voir là où était la présence de Dieu. Et vous savez ce qu'il dit la Bible? C'est lui qui me cherche. Il trouve. Alléluia. Aujourd'hui, si tu es venu chercher la présence de Dieu. Aujourd'hui, si tu es venu avoir quelque chose de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Alors Moïse. Il commence à monter sur la montagne. Je ne sais pas comment il a fait. C'était difficile. Peut-être il fallait qu'il se mette à genoux pour monter. Mais il a monté. Et j'aimerais te dire aujourd'hui. Il te faut monter sur la montagne. Tu vas me dire quelle montagne? Aujourd'hui, il te faut monter dans la présence de Dieu. Et comment faire pour monter? Savez-vous? Lorsque tu commences à lever tes mains, tu commences à monter sur la montagne. Lorsque tu commences à louer le Seigneur, tu montes sur la montagne où est la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus, il veut te bénir aujourd'hui. Et lorsque Moïse a monté, Moïse, c'était difficile pour lui. Il a un prix à payer. Et vous savez c'est quoi notre prix à payer? C'est le jeûne. La prière. La louange. C'est là qu'on commence à monter sous la présence de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Moïse a monté sur la montagne. Et là, il y avait un buisson ardent.
un buisson, un arbre qui avait du feu. Il ne se consumait pas. Et là, il y avait la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Et j'aimerais te dire que la parole de Dieu dit qu'une voix sortit de ce buisson. Et il va dire, Moïse, enlève tes sandales. Parce que l'endroit où tu te trouves est saint. Est saint. Alors Moïse va enlever ses chaussures. Pourquoi les chaussures? Dans ces temps-là, lorsque quelqu'un y avait quelque chose contre quelqu'un, il écrivait son nom sous la chaussure. Et lorsqu'il était en colère contre cette personne, il écrivait son nom sous la chaussure. Et il commençait à marcher sur cette personne. Et le Seigneur Dieu dit, enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu te trouves est saint. Et j'aimerais te dire, Dieu veut te dire, enlève toute colère, enlève toute chose qui n'est pas la gloire de Dieu, parce que tu es dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut te bénir. Parce que Dieu veut te parler. Parfois l'homme, il met un interdit pour que Dieu ne parle pas pour lui. Pour que la bénédiction ne vienne pas. Il met un interdit à cause de la colère. Quand j'ai quelque chose contre quelqu'un. Mais aujourd'hui, le Seigneur Dieu te dit, enlève tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut te bénir. Alléluia. Et Dieu va parler à Moïse. Et il va dire, Moïse, lorsque Dieu dit Moïse, il veut dire ton nom. Il veut dire Dimitri. Il veut dire Georges. Il veut dire Tsoukro Nanos. Il veut dire ton nom. Lorsque Dieu dit Moïse, il dit, je vois mon peuple. Je vois la souffrance de mon peuple en Égypte. Va, je t'envoie. Aujourd'hui, Dieu il a une parole pour toi. Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'envoyer à parler pour les gens. Parce que les gens là-bas en Égypte, ils souffraient. Ils étaient en captivité, en esclavage. Et Dieu lui dit, va, je t'envoie. Aujourd'hui, Dieu veut t'envoyer pour que tu puisses amener les gens qui sont en esclavage, l'esclavage du péché. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu veut te donner une parole pour que tu puisses mettre la main et sortir les gens du monde. Du monde. Pour que tu puisses aller chercher les gens dans la souffrance. Mais Moïse va dire, Seigneur, si je vais là-bas, il y a beaucoup de dieux. S'ils vont me demander quel est mon Dieu, quel est le nom de mon Dieu, qu'est-ce que quel nom je redonnais
Parce que vous savez, en ce temps-là, à chaque coin d'une maison, se trouvait un Dieu. Un Dieu fait par les mains d'hommes. Et ces dieux avaient des noms. Et Moïse va demander. Mon Dieu. Quel est ton nom? Et Dieu va lui donner son nom. Alors Moïse va demander comment tu t'appelles? Aujourd'hui tu aimerais savoir comment Dieu s'appelle? Alors Dieu va répondre. Et va dire. Je m'appelle. Celui qui est. C'est ça le nom de Dieu. Je m'appelle celui qui est. Qu'est-ce qu'il a pu montrer ce nom-là? Tu sais qu'est-ce qu'il veut montrer ce nom-là? Tu te rappelles lorsque tu pleurais? Dieu va te donner son nom. Et il te dit, tu te rappelles lorsque tu pleurais? Je m'appelle celui qui a essuyé tes larmes. Veux-tu savoir le nom de Dieu? Tu te rappelles lorsque tu étais malade sur ton lit? Dieu va dire, je m'appelle celui qui t'a guéri. C'est ça le nom de Dieu. Vous savez comment il s'appelle? Je m'appelle celui qui est toujours avec toi. Ton père peut te laisser. Ta mère peut te laisser. Et vous savez comment il s'appelle lui? Je m'appelle celui que je suis toujours avec toi. Il est celui. Tu le crois aujourd'hui? Peut-être aujourd'hui. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas où donner ta tête. Mais Dieu veut te parler. Et il veut te dire que mon nom c'est. Celui qui t'aide. Je m'appelle celui qui est toujours avec toi. Je suis celui qui est toujours avec toi. Je m'appelle celui qui te guérit. Je m'appelle celui qui enlève tes problèmes. N'oublie jamais le nom de Dieu. Moïse va demander à Dieu. Comment tu t'appelles? Et lui il va dire son nom. Demande, est-ce qu'il y a un grand-père? Un grand-père ici? Un grand-père? Vieux, tu veux dire? Et il n'y a pas. Qui a, il y a trois générations là. Le papa, le fils et le petit. Papa, to pedi ke to. Ils sont dans l'église. Et puis dans l'église. Oui. Aujourd'hui. Oui. Oui. Non. J'aimerais te dire. Lorsque Moïse va demander le nom de Dieu. Va dire son nom. Il va dire. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Abraham, c'était le grand-père. Isaac, c'était le fils. Et Jacob, c'était le petit-fils. Tu sais ce qu'il a voulu dire? Je suis ton Dieu.
Je suis le Dieu de ton père. Et je suis le Dieu de ton fils. Je suis le Dieu de génération en génération. Alléluia. C'est ça le nom de Dieu. C'est ça le nom de Dieu. Il s'appelle celui qui te bénit. Il s'appelle celui qui te guérit. Et Moïse a demandé. Quel est ton nom? Il va répondre. Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Je suis le commencement. Je suis la fin. C'est ça le nom de Dieu. Peut-être tu te sens seul. Peut-être tu n'as pas de famille. Peut-être il n'y a personne qui vient te rendre visite. Mais Dieu va te dire. Moi, je suis celui qui est avec toi. Même s'il n'y a personne qui te rend visite. Je m'appelle celui qui te rend visite. Qui reste avec toi. Et je ne pars pas de toi. Alléluia. Peut-être tu as peur pour ta famille. Mais Dieu va te dire, n'aie pas peur, parce que je suis celui qui est avec ta famille. Je m'appelle celui qui te tient dans ma main. Je m'appelle celui qui tient ta famille dans ma main. Tu le crois aujourd'hui? Et vous savez comment il s'appelle? Je m'appelle celui qui ne cesse pas, que je n'arrête pas de te faire du bien. C'est ça le nom de Dieu. Quel beau nom il y a notre Dieu. Le nom de Dieu est celui qui est. Qui il est? Celui qui est toujours avec toi. Qui il est? Celui qui te guérit. Qui il est? Qui te donne de la force? Qui il est? Celui qui va bouleverser ta vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Celui qui est. Il est ici. Et il va remplir ton église. Il est celui qui va bénir. Le pays de la Grèce. Il est celui qui l'a promis la bénédiction pour toi. Il est celui qui l'a promis la bénédiction pour ton entourage. Tu le crois aujourd'hui? Alléluia. Un jour, la parole de Dieu dit que la parole se fait chair. Jésus-Christ. Et Jésus va dire une parole aussi. Celui qui ne croit pas que c'est moi qui suis, il va mourir dans ses péchés. Et aujourd'hui, nous le croyons que celui qu'il est, qu'il est mort sur la croix pour les pardons des péchés, qu'il a donné sa vie pour que nous soyons la vie éternelle. Il est celui qui l'a ressuscité d'entre les morts. Il est celui qui va te bénir. Je ne te connais pas. Peut-être tu as un problème. Peut-être tu es malade. Peut-être tu te sens seul. Peut-être tu ne sais plus où aller.
Mais n'oublie pas le nom de Dieu. Parce qu'il est celui qui te guérit. Parce qu'il est celui qui enlève tes problèmes. Parce qu'il est celui qui te montre le chemin. Tu le crois aujourd'hui? Le Seigneur te connaît. Il te connaît mieux que toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Parce que c'est lui qui te connaît. Et aujourd'hui, il s'appelle celui qui est. Qui te connaît, qui connaît tes besoins. Peut-être tu as un problème financier, mais n'oublie pas, il est celui qui pourvoit tous tes besoins, qui te donne ce que tu as besoin. Tu le crois? Moi je crois qu'il est celui qui, il est en train déjà, en train de bouger la graisse. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il a quelque chose pour toi. Il a quelque chose pour toi. Il veut te bénir. Il veut te remplir. Il veut te donner ce que tu as besoin dans ton cœur. Je sais que tu as besoin de quelque chose. Et le Seigneur, il le sait que tu as besoin. Et il veut te donner aujourd'hui. Le Seigneur, il veut te réjouir aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est ton Père. Et il veut te donner plus que ton Père terrestre veut te donner. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire aujourd'hui. Je prophétise maintenant sur ta vie. Je prophétise maintenant la puissance de Dieu. Je prophétise maintenant sur ta vie, maintenant. La prospérité. La bénédiction. Oh, alléluia, 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 alléluia. Maintenant, loue le Seigneur. Tu peux lever ta voix, louer le Seigneur parce qu'il est ici. Et il est celui qui est. Il est celui qui te bénit aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Il s'appelle celui qui te bénit aujourd'hui. Il s'appelle celui qui est toujours avec toi. Tu peux te lever et louer le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur aujourd'hui.